À Londres, en pleine répétition d'un événement royal, des gardes ont été pris de malaise en raison de la chaleur suffocante dans la capitale britannique. Le prince William a réagi. Ce samedi, à Londres, les gardes royaux ont procédé à une répétition d'un événement qui se déroulera le 17 juin, Trooping the Colour. Le salut aux couleurs se tient à l'occasion du deuxième samedi du mois de juin. Il vise à célébrer l'anniversaire officiel du souverain britannique. La parade d'anniversaire du roi est exécutée chaque année depuis 1820 sauf en cas de mauvais temps. Nul doute que cette année elle aura bien lieu. Pas un nuage dans le ciel londonien. Au contraire, la chaleur est écrasante surtout pour les participants au défilé, les gardes à cheval et les musiciens, tous vêtus de leur uniforme imposant et de leur bonnet noir en poil d'ours. Ce samedi, les températures ont affiché plus de 30 degrés à Londres à l'occasion des répétitions. La chaleur a donné lieu à des scènes improbables. En effet, des gardes royaux se sont littéralement effondrés. The Guardian a diffusé des images sur lesquelles des soldats, vêtus de l'uniforme rouge et du bonnet noir des Welsh Guards, s'effondrent sur le sol avec leur trombone. Autour d'eux, la fanfare reste imperturbable et continue les répétitions. Des circonstances inédites. Les gardes évanouis tentent, pour certains, de se relever avec difficulté. D'autres, sont emportés sur des civières. Selon la chaîne britannique Sky News, au moins 3 soldats ont ainsi perdu connaissance à l'occasion de ces répétitions du salut aux couleurs. Le prince William compatissant face à cette situation inhabituelle, le prince de Galles a réagi. Un grand merci à tous nos soldats qui ont participé à la revue militaire ce matin, en pleine chaleur. Des conditions difficiles, mais vous avez tous fait un formidable travail, a écrit le prince William sur Twitter. L'héritier du trône a publié des photos de la parade en répétition. Ce samedi 17 juin, le roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, assistera à la parade militaire Trooping the Colour depuis le balcon de Buckingham pour son premier salut aux couleurs en tant que roi. Espérons pour ses gardes que la capitale britannique sera gagnée par un vent de fraîcheur.